Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 21. Ce matin, on s'est motivé avec Henri pour aller faire un petit peu de sport en forêt. Il commence à peine à pleuvoir, donc on espère que ça va se calmer. Normalement, il pleut pas trop, donc ça va le faire. Parce que là, ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de sport et j'avoue que je commence à plus me sentir bien, ni dans ma tête, ni dans mon corps là. Donc il est temps que je reprenne un petit peu tout doucement pour ne pas voir flou dès que le mois de janvier va revenir et que je vais reprendre le sport à fond. Donc du coup, petit sport aujourd'hui, c'est parti, quelle heure il est? Il est 10h30 et puis ensuite on rentrera à la maison et je pourrai terminer le montage de mon vlog d'hier. 3 hours later. Il fait un temps de merde dehors, concrètement, vraiment, il pleut énormément et je suis frigorifiée depuis qu'on est rentré tout à l'heure et j'ai ressenti un besoin assez énorme de me mettre dans ma bulle aujourd'hui. Je suis un vrai poisson. Franchement, mon signe astrologique me va extrêmement bien. Et il y a des moments où j'ai énormément besoin d'être dans ma bulle et de ne voir et de ne parler à personne. C'est littéralement ce qui est en train de se passer aujourd'hui et j'ai jamais vlogué ce genre de journée parce que ben je me force pas généralement. Aujourd'hui c'est différent, c'est les vlogmas, donc je vlog tous les jours, donc vous faites partie de ma journée. Mais c'est vrai qu'il va pas y avoir beaucoup de moments où je vais vous parler aujourd'hui, pour être honnête. Parce que ça fait partie de ces jours où, comme un bon petit poisson, j'ai besoin d'être dans ma bulle, dans ma grotte, dans ma caverne, dans ma tête, dans mon espace personnel, et de laisser un petit peu de côté tout ce qui m'encombre l'esprit H24. Et là, je vous avoue que depuis ce matin, j'ai qu'une envie, en fait, c'est d'être dans ma bulle. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu là recommencer un bullet journal, alors que je savais pas du tout que j'allais en recommencer un. Je pensais pas le faire et je le refais parce que je sens que j'en ai besoin. Je pense que là je vais manger un petit bout et puis après je vais faire mon vision board pour 2021. Bref, je vais juste là déconnecter un peu de mon téléphone, déconnecter un peu de tout ça, juste et faire des choses qui me font du bien, en tout cas qui font du bien à ma tête et à mon mental, parce que là je vous avoue que j'en ai besoin. Donc vous allez m'accompagner avec moi dans cette journée, dans ma bulle. je montre jamais ce genre de journée, vraiment. C'est tellement... Déjà, c'est très personnel, et puis vous allez rien comprendre, parce que c'est tellement genre... Je suis tellement dans ma tête, dans ma bulle, que je risque de pas beaucoup vous parler. Mais bon, il est 14h, donc je dois quand même travailler, hein, parce que malgré tout, j'ai du taf, mais je m'accorde ces moments où je fais autre chose aussi. Et je pense que je vais pas bouger de mon bureau de toute la journée. J'ai mis mes huiles essentielles, j'ai mis mes lumières, j'ai mis des vêtements cosy. Je ne vais plus bouger d'ici, je vous le dis. Bon, ça y est, ce bureau est un mess, mais c'est bien. J'aime bien. J'ai juste fait la page de garde de mon bullet journal. Sur le 2021 où j'ai marqué « Please be nice and kind », en espérant que ce soit une meilleure année que 2020. Je vais continuer petit à petit, doucement. Encore réfléchir à ce que je vais faire. C'est le bullet journal de Margot.
Margot's Tips, les astuces de Margot. Et je lisais un petit peu son petit guide introductif, même si j'en suis pas à mon premier bujo, mais je trouvais ça assez intéressant. Donc je l'ai fait un peu différemment cette année. J'ai d'autres idées et ça viendra au fur et à mesure, mais je mets pas la pression, pour une fois. Par contre, cette année, je vais me lancer dans un truc que je n'ai jamais fait. C'est donc, comme je vous le disais dans mon précédent vlog, un vision board. Donc l'idée, c'est d'avoir un grand pêle-mêle. Enfin, c'est comme un grand tableau. Moi, c'est juste que j'ai pas trouvé de grand tableau en liège qui me convenait, donc je me suis juste dit que j'allais le faire moi-même. Et de mettre au-dessus des inspirations, des objectifs, des intentions, des choses en fait qui vous inspirent pour la nouvelle année. C'est totalement interchangeable pendant l'année s'il y a des choses que vous avez envie de rajouter ou d'enlever. Moi, je vais me laisser l'occasion de rajouter encore des choses au fur et à mesure de l'année. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté deux panneaux comme ça en liège adhésif derrière. Et du coup, j'ai acheté, je voulais à la base un espèce de tableau un peu en bois. Mais finalement, j'ai trouvé ça, c'est du papier plume un peu, je sais plus comment ça s'appelle, du carton plume je crois. Et je vais le découper à la taille de ces deux panneaux de liège, tout collé. Et puis j'ai pris des attaches pour le mettre contre un mur après, mais ça je le ferai plus tard. Donc voilà, on va faire ça déjà dans un premier temps. J'ai fait la partie la plus manuelle entre guillemets, c'est pas la partie la plus créative, mais c'est fait. Donc mes deux panneaux de liège sont sur le panneau blanc. J'aimerais bien essayer de trouver un cadre en fait qui fait ces dimensions là. Je vais regarder un petit peu si j'arrive pas à trouver ça, parce que je trouverais ça sympa que ce soit dans un cadre en fait. Et maintenant l'idée, c'est que je vais prendre pas mal d'illustrations, je vais aussi en chiner certaines sur Pinterest. Voilà, que ce soit de la déco, des voyages, que ce soit des envies personnelles, que ce soit des objectifs, des motivations, que ce soit aussi des états d'esprit spirituels, que ce soit, je sais pas, du développement personnel. Voilà, en gros, toutes ces choses que j'aimerais accomplir ou voir en tout cas en 2021, toutes ces choses que j'aimerais qui fassent beaucoup plus partie de ma vie en 2021. Tout va être sur ce tableau et je l'accrocherai en fait dans mon champ de vision, donc soit près de mon lit, soit près de mon espace de travail, donc mon bureau, etc., pour l'avoir toujours à portée de vue. Comme ça va me permettre de pouvoir poser mes intentions quotidiennement, et si je sens que j'ai un peu un coup de mou dans ce que je suis en train de faire ou dans mes objectifs ou peu importe, je pourrais en fait regarder ce tableau et puis peut-être récupérer un peu de motivation et me souvenir aussi de voilà pourquoi j'ai fait ce tableau là. Donc voilà, c'était un truc que je voyais beaucoup en fait ailleurs, et je me suis dit que ça me correspondait plutôt pas mal comme mode de fonctionnement, parce que je suis très visuelle et j'ai vraiment besoin de voir les choses pour pouvoir me les approprier. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle je vais faire ce vision board qui, je pense, ne va pas cesser d'évoluer. À mon avis, au milieu de l'année 2021, je vais avoir envie de le changer, et ça se trouve, je vais le garder toute l'année et que ce sera le même toute l'année, donc on va voir. Très générique pour le moment, voilà à quoi ça ressemble. J'ai un tableau Pinterest avec pas mal d'inspiration et de choses beaucoup plus précises que je voudrais imprimer pour pouvoir les mettre dessus. Mais là par exemple, il y a déjà des choses qui sont assez évidentes pour moi. Par exemple ici, ces deux-là, ça représente le voyage, puisque mon souhait d'aller au Japon est toujours très très fort ici aussi. Mon souhait de beaucoup plus reprendre le temps de lire comme je le faisais avant, et j'ai perdu cette habitude et c'est dommage parce que ça me détend énormément. Mon attrait pour les plantes, ici encore pour les voyages, bien sûr mon attrait pour la lune, je pense que vous êtes au courant.
Là, le café, c'est pas tant pour le café, c'est plus dans un aspect général de bien-être et de cosy, voilà. Avec Madimo, j'ai aussi écrit quelques petites phrases, quelques mots importants qui ont du sens pour moi cette année, qui iront du coup sur mon vision board également. Et j'ai pris en fait des illustrations que j'avais aussi dans ces cartes postales que j'ai achetées, qui sont trop jolies sur la botanique, que j'adore. Comme je disais, pour l'instant, c'est vraiment qu'une ébauche. Il va y avoir encore beaucoup plus de choses et peut-être que certains trucs vont virer et qu'il y en a d'autres qui vont venir les remplacer. L'idée aussi, c'est comme je disais, de trouver un cadre parce que là, je trouve que ça fait un petit peu... Oups, encore que j'attache deux, trois trucs, mais ça fait un petit peu vide. Donc voilà, je me laisse un petit peu quelques jours pour le faire. J'ai pas envie de le faire en one shot, j'ai envie de prendre le temps. C'est pas une course, quoi. C'est ça aussi le truc que je me dis pour 2021, c'est que j'ai envie de prendre le temps de faire les choses et de ne pas être trop pressée. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Après, concrètement, mes envies de voyage en 2021, je pense qu'elles vont un peu passer à la trappe, mais sait-on jamais sur un malentendu qu'on apprenne une bonne nouvelle et qu'on puisse de nouveau voyager. Écoutez, je pense que j'ai beaucoup trop attendu d'aller au Japon, je pense. Je regrette grave, en fait, de pas y être allée avant, parce que je me dis que j'ai raté le coche, quoi. Maintenant, je sais plus quand est-ce que je pourrais y aller. Donc j'espère fortement que l'année prochaine, ça sera de nouveau possible de voyager. On verra. On croise les doigts, parce que c'est vraiment le truc, moi c'est le truc qui me fait vivre, hein, de voyager, donc là j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. On croise tous les doigts pour que 2021 soit une meilleure année, je vous le dis. En tout cas je vais tout faire pour, parce que 2020 ça a été une année de merde. Je n'ai pas terminé le vlog hier, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'est vrai que c'était un vlog un peu spécial, parce que je montre jamais trop cet aspect de ma personnalité, où j'ai vraiment besoin d'être seule. Et en fait, hier, du coup, après, je me suis plongée dans la bulle et c'était plus possible de m'en sortir, donc voilà. Du coup, je partage avec vous le concours du jour. Aujourd'hui, il y a 5 bons d'achat de 100 € à gagner sur Quetch. Quetch, c'est notamment ceux qui font les gourdes en inox, qui font les thermos, qui font aussi tout ce qui va être les petits mugs en inox, pareil, pour transporter vos boissons chaudes ou froides. C'est celles que j'utilise et je les aime trop, parce qu'en plus c'est un geste pour l'environnement. Si vous n'êtes toujours pas passé aux gourdes plutôt qu'aux bouteilles en plastique, je vous les recommande vivement. Donc il y a 100 € de bons d'achat x5 à gagner aujourd'hui dans ce vlogmas, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Pour participer, comme d'habitude, vous devez être abonné à la chaîne, liker le vlog, laisser un commentaire et remplir le Google Doc dans la description. Je vous laisse, j'espère que ce vlogmas vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir mes deux derniers vlogs. Je pense qu'en ce moment vous êtes en vacances et du coup vous avez beaucoup moins le temps de regarder les vlogs qu'au début du mois, et ça se comprend parfaitement, mais si vous ne les avez pas vus, sachez qu'ils sont toujours là et ils vous attendent. Demain, énorme concours, gros concours demain qui va vous faire très plaisir. Aujourd'hui pour moi, du coup j'ai hâte de vous présenter ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Bye bye.